que vous allez bien. Là, je me rends compte qu'on voit le petit pitou en arrière, je vais vous le montrer. Ça, c'est Ellie. C'est le chien de mon amie Lisanne. Et c'est le chien que vous avez vu sur Instagram qui a toujours la petite langue sortie. Fait qu'on commence le mois de décembre, ce qui veut dire que Noël arrive vraiment plus rapidement qu'on le pense. Et si vous êtes dans la même situation que moi, sûrement que vous manquez un peu d'inspiration et d'idées pour certains de vos proches. Perso, après avoir eu le même entourage pendant aussi longtemps, on dirait que j'ai fait le tour puis que je sais vraiment plus quoi leur donner. Donc, cette vidéo-ci risque peut-être de vous aider. Fait que aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire un guide cadeau dans des fêtes, mais version tournage chanté. Comme vous avez pu le remarquer depuis quelques temps, ma vie ne consiste plus aux cosmétiques et à la mode comparé à mon passé sur YouTube. Maintenant, je suis vraiment plus du genre mode de vie sain, lifestyle, alimentation, etc. Fait que je me suis dit que pour de vrai faire une vidéo de cadeau de Noël, mais vraiment version santé pour les gens qui s'entraînent, je pense que ça pourrait vraiment être un bon match. Et puis, la vidéo est en collaboration avec Sport Expert. Laissez-moi vous dire que c'est vraiment comme un genre de rêve d'enfance en fait, parce que clairement on associe facilement Sport Expert à la place où on va magasiner tout ce qui a trait aux activités intérieures, extérieures, que peu importe ce qui est en lien avec le conditionnement physique en fait. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont envoyé vraiment leur guide cadeau pour le temps des fêtes. Il y a au-dessus de comme 50 articles je crois. Clairement j'allais pas vous montrer tout ça. Et j'ai fait un top 8 qui consiste à être des items qui selon moi vont plaire au plus de gens possible. Fait que vous allez voir, c'est vraiment de petits budgets à un plus grand budget. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, pour vrai, c'est des articles que moi, perso, j'aurais vraiment aimé ça recevoir. Et je vois clairement des gens dans mon entourage qui se remettent en forme en 2019, ou en tout cas qui le disent pour l'instant, qui aimeraient vraiment recevoir ça. Donc, j'espère que ça va vous aider. Donc, le premier item, c'est ma montre Fitbit ici, comme vous voyez. Vous savez que j'avais déjà la Charge 2 en fait, que j'avais reçue l'année passée, que j'ai utilisé vraiment tout au long de l'année. Et puis celle-là c'est la Charge 3, fait qu'en fait c'est juste le modèle le plus récent. Fait que mon copain il est vraiment content parce que c'est lui qui a hérité de mon ancienne. Honnêtement c'est vraiment le meilleur investissement ever selon moi. Je regarde constamment pour comme regarder mes statistiques, qu'est-ce que je fais dans une journée, évaluer, me donner des challenges personnels aussi pour me dépasser constamment. Et puis c'est vraiment celle-là que vous voyez en fait dans tous mes posts Instagram puis sur YouTube là, je reçois toujours des questions sur c'est quoi la marque, ben c'est ça, c'est Fitbit. Je trouve que c'est assez abordable dépendamment des modèles, il y en a des un peu moins dispendieux mais qui font juste calculer le nombre de pas dans une journée par exemple. Celle-là c'est vraiment une des complètes en fait, pas la plus complète parce que elle est plus grosse sinon, puis vu que j'ai vraiment un petit poignet ben j'aime pas ça quand c'est trop gros sur moi, mais celle-là je trouve que c'est vraiment parfait. Et puis pour ceux qui se demandent tout le temps qu'est-ce que ça fait en fait, c'est que ça capte ta fréquence cardiaque, donc ton pouls, le nombre de pas que tu fais dans une journée, idéalement il faut que tu en fasses 10 000, fait que c'est cool parce que tu peux voir ce que t'es rendu. Ça capte, en fait ça évalue ta qualité de sommeil, ça évalue tes entraînements, donc voir dans quelle zone tu t'es situé, exemple cardio, brûler des graisses, etc. Deuxième item, c'est des fameux élastiques de résistance. Je pense que les filles, moindrement, si on fait un petit peu de booty, on en a vraiment besoin en fait. Puis, qu'est-ce que j'aime avec ceux-là, c'est qu'ils sont vraiment pas chers. En fait, ils sont 14,99 et vous avez trois niveaux différents de résistance, donc vous allez pouvoir modifier avec le temps si vous vous améliorez. Et honnêtement, là, souvent les gens associent vraiment ça à entraînement de jambes seulement ou de fesses, mais on peut faire beaucoup de choses aussi avec le haut du corps. Si vous n'avez pas vu ma récente vidéo, ou sûrement en tout cas dans les plus récentes, j'ai fait une routine du matin puis j'ai inclus un workout à faire pour la maison et j'utilise seulement des bandes de résistance. Fait que c'est vraiment cool, vous allez voir qu'on peut faire autant du dos, des bras, des triceps, des... Bref, vraiment, peu importe. Fait que vous irez voir si vous avez besoin d'inspiration. Mais c'est ça, moi je pense que c'est vraiment un must. Troisième item, c'est une bouteille réutilisable ben cute. En fait, on sait avec la planète de nos jours, il faut vraiment éviter la consommation de plastique. Là, c'est vraiment affreux ce que ça fait à la planète, aux animaux, en fait, à tout. En plus, c'est là qu'est-ce qui est fun, c'est qu'en fait, ça contient aussi bien ton eau froide quand tu t'entraînes que ton chocolat chaud après une ride de ski. Fait que c'est vraiment bon, chaud et froid, puis pour vrai, est vraiment cute, puis ont plein de couleurs différentes. Quatrième item, et non le moindre, ça va transporter en fait tout ce que je vous ai montré juste avant, c'est un sac de gym. Et puis là, je vous présente celui-là, c'est un Adidas, mais vous savez, là, il y a plein de marques différentes, si vous en préférez une qu'une autre, il y a plein de grandeurs différentes. Moi, j'aime vraiment celui-là juste parce qu'à l'intérieur, il y a trois pochettes qui sont ventilées. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que ça permet juste de mettre comme une paire de souliers si on veut là-dedans,
pour éviter que l'odeur qui ne sent pas toujours très bonne se transporte et se transmet sur tes vêtements. En fait, c'est vraiment juste pour ça. Cinquième item, c'est des sneaker balls. J'ai vraiment trouvé ça drôle sur la liste parce que je me demandais vraiment c'était quoi. Fait que je me suis dit, je vais leur commander puis juste voir à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment une découverte pour moi cette année. En fait, je trouve que c'est vraiment une belle invention. C'est des petites boules comme ça qu'on vient mettre dans nos souliers de course ou juste dans notre sac de gym, dans un sac de hockey, je pense que ça serait vraiment bon. Et sinon dans un casier, même à l'école. Puis en fait, ce que ça fait, c'est des boules désodorisantes qui vont juste capter toutes les odeurs puis les absorber les odeurs. Fait que c'est vraiment une sorte de bonne idée. Puis il y en a de tous les goûts, encore une fois, il y a plein de motifs différents, des couleurs différentes, d'autres qui font plus filles, d'autres qui font plus garçons. Vous savez que moi j'aime ça quand c'est neutre, donc c'est ça, et c'est vraiment pas cher, c'est 6,99$. Je pense que c'est vraiment une belle petite invention et une belle découverte. Pour finir, j'ai décidé d'inclure deux items qui sont plus mode en fait. Et c'est deux paires de pantalons qui sont bons autant pour s'entraîner ou juste à mettre en allant ski ou en faisant des sports extérieurs. Les premiers que j'ai, c'est des pantalons comme ça de chez Under Armour. Donc Under Armour, vous savez que c'est souvent ma compagnie préférée de sportswear. Ceux-là, je les aime vraiment parce qu'en fait, c'est comme des leggings, mais qui sont plus amples, donc qui sont plus lousses aux cuisses. Ils vont venir se serrer dans le bas, mais c'est comme le même tissu, fait que c'est le fun parce que ton corps, ta peau respire quand même. Là. Tu vas pas suffoquer à l'intérieur de ça. C'est juste que c'est pratique souvent pour les gens qui sont pas nécessairement à l'aise de s'entraîner dans des leggings moulants. Tu sais, au gym, je sais que c'est pas pour tout le monde. Fait que je pense que ça pourrait vraiment être une bonne alternative. Sinon, juste des fameux sweatpants en général, je pense que c'est vraiment un win. Autant pour les filles que les gars, en fait, là. Moi, j'ai des Puma gris comme ça. C'est super chaud, puis on s'entend qu'au Québec, on en a vraiment besoin. Surtout ces temps-ci, là, je trouve qu'il fait vraiment froid pour le mois de décembre, donc j'ai bien hâte d'avoir la suite en espérant que ça dure pas trop longtemps. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon guide cadeau temps des fêtes 2018. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez toute autre idée de cadeau ou d'inspiration en général, laissez-le en commentaire, ça pourrait toujours aider d'autres gens qui sont tombés sur cette vidéo aussi. Un gros merci encore à Sport Expert d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo aussi, je suis vraiment super contente. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Sinon, je vous invite à aller voir mon Instagram parce que peut-être qu'il y a un petit concours avec Sport Expert là-dessus. Je pense que ça va vous plaire. Donc, vous irez voir cela. Sur ce, stay fit and do it for you. Bye là!